Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve comme promis, comme je vous l'ai dit mardi, dans le hall périculture et déco pour la chambre de Jeanne. Je vous retrouve ici dans le hall, ce sera Primark, Kiabi et Zara, donc niveau vêtements. Je voulais séparer vraiment ces deux halls, du hall périculture et déco, parce que vraiment déjà le premier hall de mardi, non, mercredi je vous l'ai mis en ligne parce que j'avais une mauvaise connexion, a duré une demi-heure, donc ici c'était pas possible. On va commencer par Primark parce que c'est là où il y a le moins. Enfin non, c'est Zara. Ouais, Zara, j'ai que deux articles. Et en fait, Zara, j'ai que deux articles parce que je suis rentrée dans le Zara. Il était 7h moins quart. Et le Zara fermait à 7h. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Donc j'ai sauté sur les deux premiers petits trucs que j'ai vus comme ça, limite de loin en promo. Mais on y retourne avec Simon ici fin du mois pour voir ce qui reste niveau de fin de solde. Parce que Zara, franchement, ils font de si belles choses. Et franchement, déjà pour bébé, je trouve que c'est pas hyper cher, Zara, pour la qualité que c'est. Par rapport à Primark, Kiabi, etc. Je trouve que la qualité est vraiment géniale. C'est pas cher. Et en plus, pendant les soldes, ça vaut vraiment le coup chez Zara. Donc, première petite chose qu'on a trouvée en vitesse, c'est cette petite blouse. Qui est juste trop belle, avec les petits boutons en bois. J'ai pris en 9-12, ouais, 9-12 mois. À la base, elle est à 9,95€ et je l'ai eue à 6,99€. Donc voilà, elle est vraiment super jolie, quoi. Ça, c'est tout à fait mon style. Donc voilà, 6,99€ pour chez Zara, j'adore. Et alors, cette petite chemise, mais qui est trop craquante, et je la vois déjà, si vous avez vu mon haul, déjà un petit moment, j'avais trouvé chez H&M, non pas chez H&M, chez Zara, avec Simon, un petit pantalon beige. Et cette blouse-ci va aller super bien avec. Donc c'est une petite blouse blanche comme ça. Mais je la trouve trop canon avec les petits boutons en bois. Regardez la matière, elle est trop belle avec les manches retroussées comme ça. Et elle aussi, elle était à 9,95€, j'ai pris en 9-12 mois et je l'ai eu à 6,99€ quoi. Ça, avec son petit pantalon beige, elle va être trop craquante. Elle va être super chic, j'adore trop, je suis trop fan. Donc ça, j'ai hâte d'aller les mettre dans sa garde-robe. Ensuite, Primark. Hop. Voilà, vous connaissez Primark, hein, je sais pas pourquoi je vous montre le sac. Mais on ne sait jamais. Première petite chose que j'ai prise, ce sont des bavoirs parce que sur ma liste de maternité, ils en demandent. Ici, c'est un lot de 5 pour 4 euros. Donc franchement, 5 pour 4 euros, ça vaut vraiment la peine chez Primark. Ils en demandent en fait à la maternité et j'en ai des bavoirs. Je dois en avoir une dizaine. Certes, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense vraiment qu'il faut un stock de bavoirs, vraiment. Mais je trouve que... Enfin, parfois, c'est vite cher, des petits bavoirs comme ça. Et ici, donc, du coup, je suis passée devant. Je me suis dit, oh, ben tiens, je vais les prendre ici. Parce que 4 euros, c'était pas cher. Bon, les motifs ne sont pas ouf. Mais voilà, quoi. Ils sont blancs et pour la maternité, blanc et gris. Voilà, je trouve qu'ils sont très, très bien. Et voilà, pour 4 euros, ils vont directement aller dans ma valise pour la maternité. D'ailleurs, que je vous ferai en vidéo. Ensuite j'ai repris 3 langes parce que ça évidemment on en a toujours besoin, en tout j'en ai 6 et je pense que si on y retourne fin du mois chez Primark parce que je dois échanger ma chemise de nuit, si on y retourne je vais reprendre un paquet parce que ça c'est 4,50€, je sais pas pourquoi je n'ai pris qu'un paquet, j'en ai déjà mis 2, ouais j'ai déjà mis 2 langes dans ma valise pour maternité mais je pense que je vais rajouter le troisième ici, le blanc tout simple, comme ça j'aurai 3 langes. Pour le séjour à la maternité, je pense que c'est largement suffisant et ça vraiment on en a tout le temps besoin. Et voilà, ici c'est les motifs classiques blanc et gris, mais c'est limite un peu gris taupe comme ça, c'est pas gris gris. Et vous avez en rose et en bleu si je ne me trompe pas, donc voilà. Et Primark, j'ai pas trouvé grand chose pour la petite. J'ai trouvé une couverture que je trouve magnifique, mais vraiment sublime. Il me semble qu'elle est aussi en rose pâle et en bleu pâle, mais je ne suis plus certaine. Mais je pense vraiment qu'elle n'était pas, elle était pas qu'en blanc. Elle coûte 10 euros, elle fait... Est-ce qu'on a les dimensions? 75 sur 100. Donc j'ai prévu pour la salle de naissance une couverture. Une bête petite couverture que j'avais eue, elle est blanche avec des étoiles grises je pense, non, blanche avec des petits pois gris. Et c'est vraiment la couverture pour, voilà, quand elle va sortir, qu'on va faire le pot à pot, pour que, voilà, la simple petite couverture, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre une belle couverture en fait pour la salle de naissance parce que j'ai peur de l'attacher, ben voilà, la petite aura peut-être encore un peu de sang, il y aura peut-être des produits sur moi, enfin soit, des produits sur son visage...
on ne sait jamais, j'en sais rien, on ne sait jamais. Et je me suis dit, si ce sont des tâches qui partent pas et tout, ça va m'ennuyer parce que ce sera sa petite couverture. Donc non, j'ai trouvé cette petite couverture-ci, que je trouve absolument magnifique. Elle est d'une douceur, mais franchement, elle est trop belle. Les motifs sont super jolis, elle est toute douce. Et ça, ce sera la petite couverture qui sera dans son lit, à la maternité, quoi, dans la chambre. Oh, je suis occupée de mettre des peluches partout. C'est la couverture qui sera dans la chambre, quoi. Donc ça, ce sera sa vraie première petite couverture, si vous voulez. J'ai des peluches partout. Hop. Donc ce sera sa vraie première petite couverture, en fait. Ensuite, ça c'est pour moi, je me suis pris une chemise de nuit parce que je me suis rendu compte que j'avais des pyjamas pour la maternité, mais pas de chemise de nuit. Et il demande dans la valise pour la salle de naissance des vêtements confortables pour la maman. Et j'avais envie d'une chemise de nuit pour pouvoir la déboutonner, pouvoir faire le pot à pot très vite et pouvoir après me rhabiller en vitesse, j'ai envie de dire comme ça, pour pouvoir partir dans la chambre et pas devoir commencer à mettre mon pantalon, enfiler un t-shirt. Voilà, donc j'ai pris une simple petite chemise de nuit comme ça. Voilà, qui s'ouvre avec des boutons devant, toute simple. Mais je vais aller la reporter parce que j'ai pris une taille L, il me semble. Ouais, j'ai pris taille L, elle coûte 10 euros. Elle me va maintenant, mais j'ai pas pensé que j'ai encore 4 mois de grossesse à faire. Et que d'ici là, mon ventre aura poussé, que j'aurai peut-être pris du poids et je vais pas tout perdre en accouchant. Donc, je vais aller chercher la XL pour dire de pouvoir être très à l'aise. Mais bon, voilà, au moins je suis sûre que je rentrerai dedans et pas me retrouver avec une chemise de nuit que je sais pas fermer, quoi. Donc voilà, et les deux derniers articles. Et ça, je vous ai fait bouger un peu. On a craqué dessus avec Simon. Quand je vous dis craqué, c'est vraiment craqué. Ce sont deux petites robes et on hésitait. Enfin, il y en avait une, on était certaine, et l'autre, on hésitait à la prendre. Mais bon, vu le prix. La première qu'on hésitait à prendre, c'est celle-ci, qui nous a coûté 8 euros. J'ai pris en 9-12 mois. C'est celle-ci. Alors, vous allez dire, oh, mais c'est pas du tout ton style. Oui, mais quand même, elle est très blanche. Donc, ça reste notre style. Elle est. Voilà, il y a beaucoup de blanc. Il y a des petits papillons roses. Ce que j'ai bien aimé, c'est la petite fille ici, avec le petit lapin, les champignons, la petite fille qui cueille une fleur. Enfin, voilà. Je la trouvais très mignonne. Et cette petite robe qui est doublée en plus, voilà, avec un petit voile, un petit voilage, coûte 8 euros. Donc, pour 8 euros, on s'est dit, allez, prends-la, c'est bon, quoi. On va pas chicaner pour 8 euros, ça lui fait une petite robe de plus. Donc voilà, on la trouvait vraiment mignonne. Et allez, je l'aime. Enfin, c'est pas un coup de cœur, mais elle est mignonne. Par contre, notre coup de cœur à tous les deux, et ça, mais on la kiffe cette robe, mais vous n'imaginez même pas comment, c'est celle-ci. On la trouve trop belle, mais vraiment trop belle, bleue, un petit peu marin comme ça, avec le bas. Franchement, c'est extrêmement bien travaillé. Elle ne coûte que 11 euros chez Primark. Il y en avait plein, hein, donc foncez. Elle est doublée. Il y a une petite culotte aussi avec. Donc je vous dis 11 euros. Je l'ai pris en 9-12 mois. Elle est canon. Ça, franchement, vous mettez Zara dessus. Vous mettez IKKS. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous la mettez en rayon chez Zara à 35 euros. Mais elle part. Cette robe part. Elle est vraiment magnifique. Regardez le détail dans le bas. Elle est trop belle, elle est super bien faite. Ça, je trouve que c'est une vraie réussite de chez Primark, de la collection de Primark. C'est une vraie réussite. Je suis trop fan. Donc ça, si vous aimez pour votre petite fille, votre nièce ou n'importe qui, elle est canon. Mais vraiment canon. C'est tout pour Primark, j'ai pas trouvé grand chose. Primark, je trouve jamais beaucoup de choses pour les enfants. Donc voilà. Kiabi ensuite. Oui, Kiabi. J'ai pris d'abord un petit canard pour son bain, évidemment gris, mais c'est un gris un petit peu, ça dépend des lumières en fait, parfois il paraît un peu taupe, parfois il paraît un peu lilas, c'est très étrange. Je l'ai payé 1,50€. Donc voilà, il m'a pas coûté très très cher, mais il est, voilà, il est adorable ce petit canard, non? Regardez-moi ça, il est super beau, il est quand même assez grand, hein. Donc ça c'est pour mettre sur le bord de la baignoire, il est trop chou, j'aime trop. J'ai pris des draps housses parce qu'on va bientôt avoir son lit. Je vous l'ai dit, à mon avis, j'espère cette semaine-ci, mais je pense pas, à mon avis, ce sera la semaine prochaine. Donc j'ai pris des draps housses, ce sont les premiers. Je n'ai aucun draps housses encore. D'ailleurs, si vous connaissez des endroits où je peux en trouver pas très cher, ici c'est 9 euros pour deux. Je pense que chez Orchestra, ça doit être 6-7 euros, je crois, le draps housses.
Donc voilà, j'ai pris un blanc et un gris. Je pense que je vais préférer des blancs de toute façon pour son lit. Parce qu'en fonction de ce que vous mettez comme, comme contour de lit et tout. Si le gris ici n'est pas le même que son contour de lit, ça va me perturber. Voilà. Je vous le dis, c'est tout. Donc je pense que je vais prendre que des blancs. Bon, ici j'en ai deux. Le gris, je pense qu'il servira vraiment s'il y a une catastrophe pendant la nuit pour changer. Mais sinon, je pense que je prendrai tout le temps des draps blancs. Donc pour l'instant, j'en ai pris qu'un. J'ai un truc dans l'œil qui vient d'arriver là. Pour l'instant, j'en ai pris qu'un. Mais je pense que je reprendrai un paquet comme ça fin du mois quand on y retourne. J'ai pris une laisse aussi. J'ai déjà ouverte, c'est pour ça qu'elle est un peu sans dessous. 9 euros pour la laisse. Et ça, je sais pas si vous, votre maman a fait ça aussi quand vous étiez jeune. Mais voilà, c'est une laisse. Donc c'est une protection pour le matelas si vous voulez. Un petit peu imperméable, même imperméable. On a pris un matelas pour le lit de la petite qui est anti-humidité, anti-moisissure, anti-acarien, un bon matelas quoi. Ça coûte vite cher d'ailleurs, un bon matelas pour bébé, c'est impressionnant. Mais ma maman a toujours mis, pour moi en tout cas, quand j'étais petite, une laisse pour protéger le matelas. Et je me suis dit, au prix du matelas, au prix de la laisse, 9 euros, elle va peut-être me sauver mon matelas. Donc du coup, j'en ai pris une. Je pense que je vais en reprendre une autre quand on va aller à la fin du mois pour avoir deux à laisse. Je pense que ça suffit. Une fois que je change celle-là, je mets l'autre et je fais un roulement, quoi. Donc je pense que deux à laisse, ça suffit. Mais ça, je trouve que c'est indispensable pour le matelas. Ensuite, j'ai plein de pyjamas. Plein. J'ai trouvé des petits chaussons. Ils sont adorables, ça je vais les mettre aussi dans la valise pour la maternité. Comme ça j'aurai deux petites paires de chaussons. Et ils coûtaient 3 euros je crois. Ouais, 3 euros. Ils sont adorables, vraiment adorables. Je suis trop fan. J'ai pris... Ah mais ça c'était pas chez Kiabi. Non, ça on reviendra après. Chez Kiabi j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pyjamas. Vous avez bien entendu 8 pyjamas. Dont deux que ma tante nous a offert, qu'elle a payé pour la petite. Sachant que notre bébé est estimé vraiment avec un petit poids. Je l'ai éternué. Est estimé pour un petit poids. Je me suis dit que j'allais quand même prendre du 0 mois. Parce que elle fera pas 3 kilos, ça c'est sûr. Elle fera 2 kilos et quelques. Donc j'ai pas envie qu'elle commence à flotter dans du 1 mois. Ça sert strictement à rien, donc je me dis je vais prendre du 0 mois, et le 0 mois c'est sûr qu'elle le mettra, elle le mettra à la maternité, c'est sûr. Mais j'avais déjà quelques 0 mois dans sa garde-robe, mais pas énormément, j'avais beaucoup d'un mois et j'avais beaucoup écouté les commentaires que vous m'aviez laissés etc. en disant de pas prendre du 0 mois, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce que si elle pesait plus de 3 kilos ça ne servait à rien. Ici on m'a confirmé qu'elle serait petite et mince. Donc ça ne sert à rien que je prenne du 1 mois à la maternité, même si je vais quand même en prendre un, on ne sait jamais. J'en prends un et au pire Simon viendra chercher dès un mois ici, c'est pas grave, je lui montrerai où c'est. Mais je me suis dit que j'allais prendre quand même tout du 50 avec ouverture devant. Parce que j'ai des 0 mois ici et l'ouverture n'est pas devant et derrière. Et je me suis dit, c'est pas qu'on va galérer, mais j'ai peur de galérer, j'ai peur que Simon galère à l'habiller. J'ai peur que la petite s'énerve, j'ai peur qu'elle... Voilà, j'ai pas envie de devoir la retourner, de la mettre sur le côté et tout. Je veux pas l'ennuyer en fait, la petite. Donc j'ai pris tout avec couverture devant. C'est pas évident de trouver couverture devant. Je trouve qu'il n'y a pas 50 000 modèles. Mais bon, voilà, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. J'ai trouvé d'abord celui-ci. Alors si vous avez vu un de mes derniers vlogs, vous le reconnaîtrez. Je l'ai en 3 mois, je pense. 3 mois ou 1 mois. Je pense que je l'ai en 1 mois, celui-ci. Je ne sais plus, mais je ne l'avais pas en 0 mois et je me suis dit si je le retrouve, il faut absolument que je le prenne parce que c'est un de mes préférés. Et il coûte 10 euros, ouverture devant évidemment, et je le trouve trop chou avec les petits pieds avec les petites étoiles, il est trop mignon quoi. Franchement celui-là il va foncer dans sa valise maternité, ce sera peut-être le pyjama pour sortir parce que ils disent aussi de prévoir une tenue de sortie. Moi j'ai pas envie de prévoir une tenue de sortie, sachant que voilà, la petite sera déjà petite, enfin, j'ai pas envie de l'ennuyer à essayer de lui mettre des bas collants, à essayer de lui mettre une robe, parce que c'est l'hiver, donc je peux pas lui mettre une robe sans bas collants, à essayer de lui mettre un pantalon avec une blouse, j'ai pas envie qu'elle soit mal à l'aise, même si c'est que pour le trajet. Donc je me dis, une tenue de sortie, oui, mais ce sera un beau pyjama.
Voilà, elle aura un beau pyjama avec, j'ai prévu un petit gilet, une petite brassière très sympa que j'avais acheté chez Zara aussi, avec un beau petit bonnet. Voilà, elle aura des belles choses, mais elle sera en pyjama et elle sera cool et relax surtout. J'ai pris ensuite celui-ci qui m'a coûté aussi 10 euros. Simon était moins fan, mais moi je trouve que c'est totalement mixte ce genre de pyjama. Donc je le trouvais vraiment très joli. Vraiment. Mais ça, je crois que c'est ma tante qui a pris celui-ci. Je le trouve vraiment très beau. Regardez. Dites pas qu'il est pas beau. Non, je le trouve vraiment beau. Hop. Donc ça, c'est sûr, il vient avec nous. Ensuite, j'ai pris quoi en 0 mois aussi? Celui-ci. Voilà, tout gris avec un petit ours. Ça peut être totalement mixte, hein, ça. Toujours 10 euros. Avec les petits pieds blancs, celui-ci. J'ai pris toujours en 0 celui-ci. Ça, c'est ma tante qui a pris celui-ci avec un petit col Claudine. Je trouve ça trop mignon. 10 euros aussi. Avec des petits nœuds sur les pieds. Voilà. Il est vraiment tout mignon. Est-ce que j'en ai d'autres en 0? Ça, c'est du 1. Ça, c'est du 1. Ça, c'est du 1. Il y en avait qui n'étaient pas du tout. Ouais. Et le reste, c'est du 1 mois. Donc, j'en ai 1, 2. 3. J'en ai 4 en 0, sachant que j'en ai encore un en 0 dans son sac à langer. Donc voilà, je pense que j'aurai assez de 0. En un mois, j'ai pris celui-ci, que je trouve magnifique. C'était aussi 10 euros, mais le troisième gratuit, celui-ci. Mais il me semble que c'était 10 euros quand même. Ouais, 10 euros aussi. Celui-là, il est vraiment beau. Mais pas d'ouverture devant. L'ouverture est dans le dos. Donc ça, ce sera pour la maison quand je serai à mon aise, pour pouvoir la changer à mon aise et à mon rythme. Ici, il coûtait 4 euros, donc je l'ai pris. C'est un bête pyjama, mais bête, bête, bête. Mais il coûtait que 4 euros. Donc du coup, voilà, ouverture derrière en un mois. Ensuite, celui-ci, c'est celui que j'ai pris gratuit, celui-là. Donc je vais d'abord vous montrer celui-là en un mois. Hop, il faisait partie le troisième gratuit. Il est mignon aussi, celui-là. Regardez. Mais celui-là, il est un peu. Il est beige, hein. Il est couleur crème celui-ci. Il est tout mignon. Et du coup, on en avait un troisième gratuit. Et honnêtement, je savais pas quoi prendre. Il y avait plein de sortes. Il y avait des pyjamas roses, mais j'aimais pas du tout. Enfin, je me suis dit tant pis. Donc je prends celui-ci. Alors certes, il est foncé. Quand je le montre aux gens, oh mais il est foncé. Oui, et alors? Je le trouve vraiment mignon. C'est pas noir non plus, hein, donc c'est un gris foncé, quoi. Mais je le trouve vraiment beau. Je suis désolée, mais je le trouve vraiment canon. Et en plus de ça, il était gratuit. Donc voilà. Je pensais que j'avais plus de 0 mois que ça. C'est pas grave, hein, ça m'en fait 5 pour 3 jours. Je pense que ça devrait aller. Et au pire, je prends un pyjama de 1 mois en plus. Voilà. Et alors après, on est passé chez Flying Tiger. Mais bon, ça, rien de grand-chose, hein. J'ai pris 3 petits canards pour le bain. Qui coûtaient 2 euros pour 3. Hop. Bon, ils sont mignons quoi. Ces 3 petits canards au bord de l'eau. Voilà, ils sont mignons. Hop. Ça lui fera des petits jouets de bain en plus. Parce qu'honnêtement, les jouets de bain, je sais pas vous, mais je trouve que ça coûte une blinde. Chez Orchestra, les jouets de bain, pour 4 jouets de bain, j'en avais pour plus de 10 euros. Je dis non quoi. Non, ça reste des jouets de bain, les gars. Et ensuite, j'ai pris. Et ça va tout de suite vous faire penser à une youtubeuse, mais vraiment, j'ai pris ceci. Ce sont des gobelets ampoules en verre. Et chez Flying Tiger, sachez qu'ils sont disponibles, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'à mon avis, ça fait fureur. Et il y a aussi les carafes aussi, qui elles étaient à 2-3 euros, je crois, maximum. Ça coûte 1 euro. 1 euro, vous mettez une paille et voilà, je trouve ça super beau. Donc voilà, c'est très original et c'est très sympa. Donc je pense que je vais aller tout de suite les laver et mettre un peu de grenadine dedans. J'ai envie. Donc voilà, et bien écoutez, c'est tout pour mon haul. Je retourne de toute façon à la fin du mois parce que je dois échanger ma chose là, ma chemise de nuit. Donc du coup, il y aura certainement encore un haul à la fin du mois parce que je passe par Orchestra également à Zaventem. C'est le plus grand orchestra apparemment de Belgique, je pense. Et c'est une abonnée qui travaille là-bas et qui m'a proposé, qui m'a dit que c'était le plus grand orchestra et tout. Donc j'ai fixé que j'y allais le 28 pour déjà la rencontrer. Si tu passes par là, Joël, d'ailleurs, je te fais des bisous.
et pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils proposent et la fin des soldes. Donc je pense que fin juillet, début août, vous aurez encore un haul. Mais bon, d'ici début août, vous aurez le room tour de sa pré-chambre. Vous aurez plein d'autres choses, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous harceler de haul. Mais bon, il faut aussi que je vous fasse la vidéo sur sur ce qui s'est passé sur mon cinquième mois. À mon avis, ça, ce sera deux vidéos. Sur la crèche également, enfin soit plein de choses. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos parce que je partage beaucoup là-bas. Tout ce qui est vêtements, par exemple, le jour où j'étais acheté ça, c'était quand? Je ne sais plus. C'était samedi passé. Je vous ai montré directement samedi en rentrant, il me semble. Je vous ai montré ça directement ou le dimanche matin, je ne sais plus. Sur Snapchat, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Sur Instagram, je vous ai montré son petit trousseau de naissance, donc le premier pyjama qu'elle va porter vraiment quand elle va naître. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant de choses un petit peu plus, je vais pas dire intimes, mais voilà, que vous soyez tenu informé dans les premiers quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.